Papa Jézabel te relaie El Baal. Ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Maintenant, Dieu choisit, mettez l'esprit dans un homme ça yo. Il choisit marcher dans un peuple ça yo. Ça veut dire l'esprit a dirigé un monsieur ça yo. Il parle l'autre là. Dans deux familles, Dieu choisit une. Il n'a pas choisi tous les deux. Il n'a pas le dépend. Dans deux femmes, ça y est, qui est-ce qui m'a dans là dedans? Dans deux hommes, ça y est, qui est-ce qui m'arrive? Et c'est conduite. Femme, ça pour identifier. C'est conduite homme pour l'identifier le tout. Est-ce que femme ça secondée par l'esprit de Dieu? Conduite lui a prouvé ça. Est-ce que homme ça secondé par l'esprit de Dieu? Conduite lui a prouvé ça. Bon, Genèse chapitre 2, verset 7. Bon, Jean 6, 63. Et m'apprend Romains 8, le verset 3. On regarde Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Ma plus verset 2, pour nous venir verset 3. Qui ça nous dit? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Où est le Christ en train de vivre? L'hypothèse la vie. Mais où est le Christ pas en vivre? C'est le péché et la mort qui a régné. Ça veut dire qui ça? Nous sommes morts. L'homme de poté sa pana fait mon nom, il est connu menti ma bon. Doit être de doué, yote mou, yote oué un, yote oué six, yote oué six l'autre bon. C'est ça. Il va donc un vieux mort qui a sauté côté le sorti en bas de mon nom, il levé, il te dit ceci, il t'a le bon, il t'a dit l'autre bon. Wa Ali Luc 16. Pauvre Lazare avec nos mouches là. Allez pour rafraîchir mémoire que la parole de Dieu déclare par aucun mot qui casse en bas pour venir prêcher mon sous terre. Gen Moïse. Moïse a prêché. Si vous partez de Moïse, c'est fini pour vous. Il dit, quelque chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. La loi du péché et de la mort. Pas capable de faire ça, la loi de l'esprit de vie faire. Parce que la chair rime la loi du péché et de la mort sans force pour l'agir. Or, la loi de l'esprit de vie, elle est en train de crucifier la chair pour le cabagie. Parce qu'elle n'est pas capable de crucifier la chair. S'il besoin agit, il faut que la chair crucifiée d'abord. Il dit, Dieu a condamné
Le péché dans la chair. Ça veut dire qui ça? Dieu a crucifié. Nous sommes tombés dans Galates 5 là. Dieu a crucifié le péché dans la chair. A dit, la chair l'est crucifiée avec péché. Comment le faire crucifier sur ça? En envoyant. Pour qui ça le voyait? En envoyant à cause du péché son propre fils. Qui bol voyait? Dans une chair. Qui genre de chair ça y est? Semblable à celle du péché. Quelle était la chair du péché? L'enveloppe de Genèse chapitre 2, le verset 7. L'enveloppe de Genèse chapitre 2, le verset 7, c'était la chair. C'était l'homme. L'homme du péché ou l'enveloppe qui porte le péché. Donc Dieu obligé, former, créer l'autre enveloppe que vous appelez les deuxième Adam, qui semblait à l'enveloppe premier Adam. Dieu pas prêt à souffler dans ça pour le vivant. Dieu pas prêt à souffler pour que l'enveloppe ça capable être vivant. Non. C'est que enveloppe ça, il n'est pas même à enveloppe première Adam. Parce que texte l'a dit, c'est semblé l'absemble avec elle, mais c'est pas lui. Parce que dit me sauver son piège que Dieu prend le temps pour pécher. L'éloi enveloppe ça a débarqué, péché a poté bourré, parce qu'elle a pensé c'est premier Adam là. Pourtant son piège qu'elle lié. Péché pral poté bourré sous enveloppe deuxième Adam. Mais sauf que péché pas comprendre que c'est pas enveloppe premier Adam là, c'est semblé le semble avec elle mais c'est pas lui. Il fait une sous forme ni mais c'est pas livré. C'est pas soufflé, il a été soufflé dans la narine deuxième Adam pour le te vivant. C'est que lui tout vivant parce que c'est le vivant. Mais le premier Adam n'était pas le vivant parce qu'il fallait qu'on souffle là dans les narines du premier Adam pour que le premier Adam soit un être vivant. Or, le second Adam n'avait pas besoin de cela parce qu'il est le vivant. Celui qui souffle dans les narines. Si c'est lui qui soufflait dans les narines du premier Adam, lorsqu'il sera le deuxième Adam, il n'aura pas besoin qu'on souffle à ses narines parce qu'il est le vivant. Et présenter péché pour le poté bourré. Et c'est là qu'il va le condamner péché dans chair ça. Pour montrer comment Dieu peut le condamner péché dans chair pas, dans chair pas autour. Et pour le condamner dans chair pas, dans chair pas, ça l'a fait. C'est que le vivant a entré dans nous. Et l'entrée dans nous. La condamné péché n'a chè pas nous. Même Jean t'a montré nous, li fèl n'a chè pas là, n'a enveloppe pas là. Pour nous capables vivants. Regardez, oui, li voyait. Petite li a nan yon chair. Ça veut dire li pat nan yon chair. C'est voyelle, voyelle, non chère. Mais en sérieux, je vais pas l'entrer dans la révélation dans le cas de ça. Parce que je vais pas l'entrer pour me décortiquer fils et pour me décortiquer chère. Puisque le fils et la chair, c'est l'homme. L'enveloppe. Je ne vais pas prendre la, je ne vais pas le troubler. Je vais mettre là, côté Mia. Je ne vais pas les mélanger.
Peut-être ton autre fois n'a vint sous ça. C'est raison ça cause Jésus-Christ pas de péché. Au grand pas de péché?